Alors, en préambule, comme nous allons discuter tout à l'heure de l'agenda 21, je veux juste revenir sur le format du bilan que vous nous fournissez. Alors, je tire mon chapeau à l'équipe communication qui a conçu le document parce qu'il n'y a presque pas de contenu au final, beaucoup de pages qui sont faites avec des illustrations, même des pages vides. Mais au final, on arrive quand même à en tirer 32 pages. Donc, c'est plutôt un bon exercice de communication. Mais sur le support lui-même, je pense que c'est pas possible d'avoir un support comme ça quand on a un souci, ne serait-ce que léger, du développement durable. Et on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure sur l'agenda 21. À vrai dire, le papier est d'un tel grammage et tellement laqué qu'au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'un faire-part. En plus, le premier texte étant co-signé Vincent Francky et Michel Roquet, je m'attendais à une grande annonce, mais non. Évidemment, au point de tout cela, le bilan, donc... débute par une série de chiffres, des chiffres vraiment forts et marquants. Hein. Un cinéma, un conservatoire, un palais de la culture, c'est vraiment, vraiment bluffant. Au passage, le lecteur attentif aura remarqué que vous n'êtes pas très à l'aise avec les chiffres, et c'est peut-être là la marque de fabrique de M. Francky. Il suffit de comparer le bilan de la politique culturelle sur 2018 et le rapport d'activité 2018 dans le secteur culturel. On y retrouve le même genre d'encart, avec les mêmes chiffres, mais en tout cas les mêmes catégories. Et pourtant, les chiffres sont un peu différents. On passe ainsi de 3 salles de spectacle à 2 salles de spectacle, de 9 sites associés au Palais de la Culture à 10 sites associés, de 3 sites muséaux à 1 site muséal, de 5842 adhérents aux pratiques culturelles et de loisirs, sans qu'on sache vraiment ce que ça recouvre, à 2864 adhérents à ces mêmes pratiques, ce qui fait quasiment 3000 adhérents supprimés d'un document à l'autre. De 37 spectacles en diffusion, on passe à 29 spectacles en diffusion. À vrai dire, le seul chiffre sur lequel vous semblez vous accorder est sur le nombre de personnes accueillies dans le cadre des manifestations culturelles, à savoir 82 000, ce qui s'explique sans doute par le fait qu'il s'agit d'une estimation complètement grossière et faite au doigt mouillé, et qui n'a pas beaucoup plus de pertinence qu'un comptage de nombre de manifestants sur le Trocadéro par M. François Fillon. Ça peut vous sembler anecdotique, mais c'est un véritable indicateur de l'importance et du sérieux que vous attribuez à la culture. Vous nous indiquez, je cite, « Avec comme ambition d'être accessible à tous, nous avons le devoir de favoriser à tous l'accès aux richesses culturelles de notre ville. » C'est vrai, c'est votre devoir. Mais aujourd'hui, où est la diversité ? Elle n'est a priori pas dans la programmation ni dans le public. Prenez les tarifs du théâtre. Prenez le tarif du théâtre. Il reste élevé pour une scène municipale. Sur une scène municipale, ils sont quand même relativement élevés. Et en ce qui concerne les tarifs réduits, ils ne sont pas si réduits que ça, avec des réductions parfois de 4 euros, et ne permettent pas, de toute façon, aux personnes qui n'ont pas les moyens de s'initier à l'art du spectacle d'en profiter. Quant aux pratiques sportives et aux loisirs, il n'y a tout simplement pas de tarif applicable aux personnes en difficulté, donc comme ça c'est réglé. Sans parler de la politique tarifaire discriminatoire du conservatoire, dont on a déjà eu l'occasion de parler, l'accès à tous devient l'accès aux putés aux liens seulement, et la richesse culturelle devient richesse tout court, puisque les coûts sont exorbitants. Quant à la programmation culturelle, c'est véritablement le plus gros gâchis, plutôt. Vous avez du personnel qui est qualifié, qui est compétent, pour l'avoir côtoyé un certain nombre de reprises, je peux vous dire qu'effectivement, vous avez du personnel qualifié et compétent qui pourrait apporter une véritable vision culturelle à la programmation de la ville. Mais on m'a dit que le problème venait du fait que vous imposiez activement ou passivement vos goûts personnels au choix des spectacles programmés, ce qui explique le fait qu'il n'y ait pas de diversité, au final, dans ce qui est proposé. Je veux dire, ne serait-ce qu'en programmation théâtrale, on est toujours sur le même style, alors qu'il existe une offre très large, culturelle très large. Je ne pense pas qu'il faille se prendre pour le public, madame Sekeli. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose à faire. Je ne pense pas qu'il faille prendre ses goûts personnels pour les goûts du public. La preuve, c'est que les spectacles ont du mal à remplir régulièrement, qu'on a eu des annulations. Ceci explique cela. Vous dites également, la ville encourage également les pratiques amateurs. Alors, on en avait déjà discuté le mois dernier,
mais il n'y a absolument aucune politique d'encouragement des groupes et des compagnies locaux. Aucun, oui, mais c'est alors c'est pas du tout exact, hein. Il n'y a aucun prêt de salle récurrent en dehors des élèves du conservatoire. Même pour les élèves du conservatoire, l'accès à ces salles reste compliqué. Alors, comme vous l'indiquez dans le rapport et comme Madame Rocchia le disait à l'instant, en fait, ce que vous permettez, c'est de faire des interventions en milieu scolaire. C'est bien, s'il faut le faire, c'est déjà ça. Mais favoriser la création, ce n'est pas uniquement ça. Ça va beaucoup plus loin. Une vraie politique, ça va beaucoup plus loin. On aura l'occasion de vous le présenter. Vous me permettrez de relever une coquille, d'ailleurs, qui me semble être un lapsus assez révélateur de votre engagement, puisque vous annoncez participer au développement de la création contemporaine. Je pense que ça montre bien. C'est un joli lapsus. Vous êtes, au final, dans cette brochure, vous êtes simplement dans la juxtaposition de slogans à un niveau qui des fois frise le ridicule. Par exemple, je cite, la culture au cœur de la création. Est-ce que quel est le sens du parce que la création dans le cadre de la culture, je veux bien, la création au cœur de la culture au cœur de la création, j'ai pas trop compris. Bref, tout ça, des slogans sans aucune volonté politique derrière. Un mot sur le théâtre de Puteaux. Ouais, je vais quand même faire mon intervention, même si personne n'écoute, c'est pas très grave. Un mot sur le théâtre de Puteaux, dont vous vous vantez la réhabilitation. Alors, il faut savoir que depuis son inauguration, en novembre 2018, il vient de se dérouler une saison entière sans signalisation au théâtre de Puteaux. Pas d'indication de placement, d'orchestre, de balcon, de côté pair, impair. Du coup, une grande partie du public attend à la mauvaise porte, ce qui demande une redirection après coup, fait perdre beaucoup de temps. Et les spectacles commencent en retard de manière systématique. Ce que pourront peut-être vous dire les élus, puisque je sais que les élus ont leur loge, enfin, en tout cas ceux de la majorité, bien sûr, hein, pas nous, mes chers collègues, ont leur loge réservée au théâtre. C'est dommage de ne pas aller au théâtre, Madame Sekelti. Je ne sais pas pourquoi vous en vantez en séance, mais je ne dis pas n'importe quoi. Une grande partie du public attend à la mauvaise porte, donc je disais, et les spectacles commencent en retard de manière systématique. On regrettera. Mais, et en plus, vous venez de dire que vous n'allez pas au théâtre. C'est marrant de me prendre, de donner votre avis sur quelque chose sur lequel vous n'y allez pas, de toute façon. On regrettera aussi. Alors, je vais vous apprendre des choses sur votre faux équipement, puisque vous n'y allez pas. On regrettera aussi que l'ascenseur ne permet pas d'atteindre le balcon. Il y a à chaque. Attendez, parce que voilà, on a des parasites là. Il y a. Ah bon, tout le monde aura de parler en même temps, oui, pas c'est en même ça. temps. Ah d'accord, c'est comme ça que vous faites la police au sein du conseil municipal. Très bien, ok. On regrettera aussi que l'ascenseur ne permette pas d'atteindre le balcon. Il y a chaque spectacle, encore une fois, hein, il faut aller au théâtre pour le voir. Il y a à chaque spectacle des personnes âgées, non PMR, qui ne sont pas forcément PMR, mais se déplacement difficilement, qui doivent monter des escaliers et dont le changement de place n'est pas possible. Je ne parle pas des PMR, je parle des personnes qui ont du mal à se déplacer et qui, du fait de l'absence d'ascenseur, ce qui est quand même incroyable dans un théâtre qui vient d'être rénové à grands frais, ne peuvent pas aller à leur place qui est ou difficilement, qui ont des escaliers. En conclusion, comme toujours, vous devriez sans doute faire un peu moins en matière de communication et laisser plus d'autonomie à vos personnels qui sont, je le répète, compétents. Ça permettrait à plutôt d'avoir véritablement une offre culturelle de qualité.